We zijn in februari, het winterseizoen is helemaal op snelheid gekomen in de Alpen en dus ben ik alvast even naar Frankrijk gereisd om voor jou de skipistes uit te testen. Op het programma stonden Tignes, Val d'Isère en Les Arcs. Skigebieden die allemaal iets anders te bieden hebben en dus eigenlijk complementair zijn aan elkaar. De eerste stop was Tignes en daar ontdekte ik dat je in een skistation veel meer kan doen dan skiën alleen. Dit is Tignes. Ik was op zoek gegaan naar een skigebied waar je ontzettend veel mogelijkheden hebt. Zowel voor de beginner als voor de geavanceerde skier. Wel, dat heb ik hier gevonden in Tignes. Een skioord dat begint op 1500 meter en je kan skiën tot 3456 meter hoogte. Zelfs op een gletsjer, zelfs in de zomer. En dat gaan we nu eens uittesten zien. Welkom in Tignes. Vandaag denk ik. Jean-Baptiste, moniteur de ski. Selon toi, Tignes, c'est une station de ski exceptionnelle. Pourquoi exactement? Aujourd'hui, Tignes est exceptionnelle grâce à l'altitude. Ouais. Parce que la neige se fait de plus en plus rare d'année en année. Et l'avantage qu'on a à Tignes, c'est qu'au-dessus de 2000 mètres d'altitude, on est assuré d'avoir la neige qu'il nous faut pour faire l'hiver. D'accord, mais on peut même skier ici pendant l'été. Comment ça se fait ça? Parce qu'il y a derrière nous le glacier de la Grande Motte, ouais, qui est ouvert tout le mois de juillet et une petite partie du mois d'août, suivant les conditions. Ouais. Et on peut skier toutes les matinées, de environ 7h du matin jusqu'à 1h de l'après-midi, tout l'été. Tignes. Pendant l'été, c'est encore mieux que pendant l'hiver. C'est complètement différent. L'été, il y a énormément de choses à faire aussi en dehors du ski. VTT, golf, on a un golf de 18 trous ouvert même le printemps, je crois. Des randonnées. Des randonnées. Il y a beaucoup de choses à faire. L'hiver, en dehors du ski, il y a aussi la plongée sous glace. C'est très varié. On va un peu skier. Ça te dit? Oui, bien sûr. Aujourd'hui. Bien ouais, sûr. Allons-y. Avec plaisir. Kan je verzekeren, op die 300 kilometer pistes kan je je zeker amuseren. Ik besluit de dag af te sluiten met een après-ski in La Folie Douce. Maar, wat kan je buiten skiën nog in Tignes doen? Ik ben dus op zoek gegaan naar een activiteit hier in Tignes die er een beetje uitspringt. Die zijn er, hè? Sneeuwscooteren, parapanten, kan je ook doen, fakkeltochtjes 's avonds. Uiteraard skiën en snowboarden, eventueel in het snowpark. Maar nu heb ik iets gevonden dat je naar een andere wereld kan katapulteren. Wel. Honnêtement, Jérôme, il faut être un peu, disons, taré peut-être pour faire ça. Oui. La plongée sous glace, pourquoi? Ben parce que sinon on ne le ferait pas. Ouais, mais bon, c'est quoi le but? Parce qu'il faut savoir si on fait la plongée, on veut voir des poissons, on veut s'amuser un peu. C'est quoi la différence? Alors en fait, dans la plongée sous glace, ouais, sous la glace, on va s'intéresser à ce qui est au plafond. Donc c'est complètement... C'est complètement différent de la plongée normale, oui, où les poissons sont plutôt en dessous de nous. Donc en plongée normale, on est horizontal. Et en plongée sous glace, nous, en tout cas, on est vertical. Ouais. On est bien droit. Et bon, on va aller regarder. À l'envers, alors. On va rester droit, tu vas voir. Ah d'accord. Et on va regarder plutôt ce qui est au plafond.
Et dans ce plafond, on a à peu près 15-20 cm en ce moment de glace vive, qui est du glaçon pur, avec des petites bulles qui sont emprisonnées dans la glace. On a cette luminosité qui vient transpercer l'eau cristalline et cette obscurité qui est créée par la neige. Ce qui donne que... On a l'impression d'une vraie révélation et c'est ce que je te souhaite. Le lac, il a quelle profondeur ? Alors, le lac, il fait 46 mètres de profondeur. Il y a des poissons vivants, même ? Alors, il y a plein de poissons vivants. Ils sont grands comme ça, tout blancs. Et on les verra, tu crois ? Je pense pas qu'on les verra. Pourquoi ? Pas aujourd'hui, parce que c'est pas le jour du poisson, c'est mardi. N'importe quoi. Ce signe-là, ça va pas. Et ensuite, tu nous montres. Alors, le seul souci qu'on peut avoir, c'est un petit peu d'eau dans le masque. D'accord ? Un petit peu d'eau comme ça, tout va bien. Un petit peu d'eau au-dessus de la bouche, ça commence à plus aller. Donc tu nous dis, moi ça va pas, et c'est ce signe-là. Et ce signe-là ? C'est un requin. Ouais, j'ai vu un grand requin blanc. Ouais. Mais normalement, comme c'est toujours pas vendredi, on le voit pas. Echt precies of dat je een andere wereld binnen gaat. Dat is precies of dat ze een portal. Ja, maar je kunt nu denken dat dat raar is, hè? Maar als je hier nu staat op dit moment en je ziet die gasten verdwijnen in dat gat, dat is precies of die gaan naar die upside down. Voilà. Et à partir de maintenant, je vais t'entendre respirer calmement, profondément, comme si tu cherchais à t'endormir. Et on court. Wauw, wat een beleving, man. Dit heb ik nog nooit gedaan, zoiets. Echt waar, ça, j'ai jamais fait ça. C'était comme si on rentrait dans un autre monde. Vraiment. En, was het niet te koud? Ja, dat is niet koud. Maar ik heb even een paniek aanval gehad. Dat was even te veel. Ik heb op mijn eigen moeten inpraten zo van rustig. En nu, als je dan eronder zat, dat is moeilijk te vatten. Dat is echt moeilijk te vatten. Oh, wat een natte onderbroek.